Le fac-similé était la littérance, le savant est du Maluku Moussoumé dans le monde entier, qui tient sur les axes tels que la cognon statistique, le médium tachymétrique, le shift time sur la communication par le givrage d'universalité. Nous avons l'éditeur Enzo Okem qui venait d'écrire ces bouquins que vous êtes en train de remarquer, l'illustration, l'apologétisme à ça, pour mémoriser les têtes, surtout les Congolais, sur une Afrique nouvelle dans la mondialisation. Les gens doivent se donner la peine d'être virés autour des bibliothèques, consultés et acheter. Ces bouquins coûteraient au moins 12 euros sous l'angle d'Avalanche, dans ces étalonnages. Eddy Maluku tient que les Congolais puissent avoir la nomenclature de pensée dans cet attrait de la stricto sensu. Nous avons cet éditeur qui nous relate ses bouquins, mais ça doit être acheté au lieu de rester dans le ventriolisme. Pensez à manger tout le matin des morceaux de chikwang, de la sole normande, mais sans capacité. Le savant Eddy Maluku tient que ces bouquins soient d'une manière ou d'une autre dans vos rayons d'action pour essayer de vous apprivoiser du savoir, de la compétitivité. Au-delà de thèse, nous avons le compendium. Au-delà, c'est la rescousse à ça. Parce que maintenant, prochainement, ça ne serait pas seulement des défenses, mais ça serait des rescousses d'appui. Monde entier, il faut commencer, au lieu d'apologétisme, 15 000 pages, un mois égal à 30 jours, fois 10 commandements de Dieu, 300 normes, mais surtout d'autant plus en République démocratique du Congo, parce que la Belgique, CTB, opérate technique belgique. 500 normes chez nos frères américains, c'est 1000 normes. Congolais, c'est 300 normes. Compte tenu de la GPS, ravitaillez-vous autour de ces bouquins que vous êtes en train de remarquer ici. C'est apologétisme sans apostasie, sans apogée, mais ramasser le sens, même les débuts des compendiums. Et nous avons aussi l'avalanche sur le prodrome, le prologue, prélidé sur la congolexicomatisation ici, sur le loi du marché populaire.